Salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien, donc je suis ici pour vous présenter un gameplay sur Thief Simulator. C'est un jeu qui est sorti en 2018. C'est un jeu de cambriolage dans lequel on doit aller voler des objets qui ont plus ou moins de valeur, bien évidemment, sans se faire griller par les habitants et les gens qui font leur petite promenade dans la journée. Sinon, ils envoient les flics. Entre parenthèses, ça sera la dernière vidéo car je vais partir en vacances pendant à peu près 2 semaines, je sais pas exactement, mais en gros 10 ou 15 jours. Donc voilà, c'est la dernière vidéo pour le moment, mais vous inquiétez pas, je vais revenir. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Donc voilà, nous sommes sur le jeu de cambriolage simulator. Donc vous le savez très bien, c'est un jeu de cambriolage. Donc qu'est-ce qu'on doit être? On doit être le plus discret possible et le plus rapide aussi possible. Donc on doit éviter bien évidemment de se faire repérer par les habitants qui marchent, qui font leur petite promenade autour. Donc là vous voyez, on a le locataire qui rentre dans son appart. C'est là où je dois aller en fait. Donc là j'ai vu qu'il y a la locataire qui est là. On va faire attention. Alors vous voyez, au-dessus de la carte, il y a des ondes. Il y a une barre avec une onde, donc c'est le bruit, les bruits que je fais. Plus je cours, bah plus je fais du bruit, et moins je suis discret. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de voir où est-ce qu'elle est. Allez là. Donc là, je vois ce qu'elle fait. Alors, attends. Merde. Ah, quand elle est dans la zone bleue, c'est qu'elle est out, elle est dehors, quoi. Je crois que c'est ça, je me rappelle plus. Oh, c'est bien, t'as un petit tuto pour comprendre. Donc là, elle est là. Lui, il est dehors et elle, elle cuisine là. On va dormir. Bonjour. Voilà. Tant que je fais rien de mal, je pose la question, qu'est-ce que je foutais derrière l'arme, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir. Alors c'est un jeu assez compliqué à prendre en main parce qu'il faut vraiment être très minutieux, très discret. Mais voilà, moi qui n'ai pas l'habitude de jouer à des jeux comme ça. Alors ce qu'on va faire, attends, on va dormir. Allez, on va essayer vers, je sais pas, il y a 8h du mat, on va voir. Voilà, le temps passe. Putain, ils font que de marcher eux. Ils dorment pas, ils dorment jamais. Allez, c'est parti, on y va. Bon, c'est pas discret, hein. Elle s'en va. Elle, elle est partie. Ok. Et lui? Elle est là, lui. Merde. Merde, 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 il est là. Est-ce qu'on essaie de rentrer? On va essayer de rentrer. Il y en a un qui arrive derrière en plus. Lui, il est là. Je crois que lui, il va bientôt partir lui. On va attendre un peu. Oui, ça va. C'est bon, il part. Ça y est, il est parti. Donc là, je peux aller prendre le carton. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, attends. Utiliser le crochet pour ouvrir la porte. Alors attention. Alors je sais plus comment ça marche déjà. Ah c'est bon. Allez. Donc là faut que je vole. Voilà, j'ai réussi à voler. On va essayer de prendre d'autres choses si je peux. Casserole pour vendre. Où je me dépêche parce que sinon... Attends, on va prendre la télé. On va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop. Rien, rien. Allez. On fouille. Casquette, rien, ouais, hop. Ouais. Je confonds encore avec les touches, hein, ça m'énerve. C'était quoi, il y a quoi là-dedans? Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Oh, il y a des sous. Vas-y, on prend. Hop. On prend la télé. Faut que je fasse attention là, il y a du monde. Deux personnes qui arrivent. A few moments later.
ne vois pas. Je me dépêche de bouger ça. Allez. Je crois que j'étais grillé. C'est bon. Hop, on se barre. Personne m'a vu. L'autre il m'a. Ouais, j'étais un peu suspect. L'autre il m'a regardé, il m'a fait. Bizarre ça. J'ai réussi à voler ce qu'il fallait. Oh putain. Ah c'est chaud. Hein. Putain c'est stressant en plus hein, d'un côté. Alors, nous avons des réputations. C. Ah ouais. N'oublie pas d'utiliser les points de compétences non utilisés dans l'onglet de compétences. Ah c'est pas terrible. Hein. Donc là nous sommes chez moi. Alors. Nous avons bien évidemment un véhicule hein, pour se déplacer et nous avons pas mal de choses là-haut. J'ai un PC pour commander, pour acheter des outils pour tout ce qui concerne le cambriolage. J'ai le Black Bay pour revendre ce que j'ai volé. Voilà, je peux revendre la radio, carte non contenue, hop, je vais le revendre. Et antiquité, j'ai pas encore volé, ok. Donc on va revendre la radio. Donc là c'est pour dormir, pour passer le temps. Donc allez, on va aller en bas pour vous montrer. Nous avons ici pour atelier de bijouterie. Alors je sais pas exactement quoi ça peut servir. Et là nous avons ici pour s'entraîner à déverrouiller des serrures avec des crochets simples. Attends, j'ai des trucs de compétences là. Attends. Ouais, c'est pour m'entraîner. Mais ça prend quand même des crochets quoi. Nous avons ici un casier pour ranger tout ce que j'ai. Hein. Donc, j'ai comme équipement un pied de biche, une torche, une clé de porte. J'ai deux crochets. Un carton au contenu louche. Et un pot. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir si on peut aller revendre. Parce qu'on a un mec qui nous reprend. Ah ouais, j'ai une télé. Je peux aller revendre. Je vais aller revendre la télé. J'ai un mec. Donc, alors, on va prendre la télé qui est dans le coffre. Hop. Voilà. Hop. Welcome voilà. Back. Bienvenue. Donc je peux vendre le pot que j'ai vendu, la télé. Et c'est quoi ça? Enlève-moi ces poubelles d'ici. Ah ouais? Il veut pas prendre ça? Alors je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec ça. Bon, je vais pas pour vendre. Donc lui c'est juste pour revendre ce que t'as volé, hein. Voilà. Ah bon, bon, il veut pas. Donc on va retourner chez moi, on va vous faire visiter autre chose, je crois qu'il y a autre chose à voir aussi. Ah. Ah, nous avons un ami qui dans lequel nous donne des missions à faire. Les Lombardis pensent que leur ami a besoin d'une nouvelle fenêtre, mais lui pense que c'est pas la peine. Va lui prouver qu'il a tort. Casse une vitre au 112 puis cache. Boulot accepté, d'accord. Donc là je dois aller. Ah, non, attends. Casse une vitre au 112 puis cache-toi ou sauve-toi. Bah écoute, hein, c'est parti. Hein. A few minutes later. Ah, 112 sur la carte, c'est où 112? 101, 103, 107. Le soleil il pète. Hein. Oh la vache, il t'éclate la gueule là. Ah, 112 c'est à gauche, ok. Ah t'es quand même, tu fais une faute, t'es direct détecté, hein, les gens ils te trouvent chelou. Vas-y, on va la mettre là. Oula. Pas très discret. Hein. Donc là, casse une vitre au 112. Bah écoute, on va péter une vitre au 112. Et là, je peux me cacher dans la grosse poubelle qui est ici. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Quoi ça? Pourquoi micro caméra, boîte aux lettres, install caméra. Ah j'ai pas encore. Mais quelle fenêtre aussi il faut que je pète. Mignon mais Ah j'ai pas le crocheter. Cette fenêtre là faut que je pète. Je sais pas moi quelle vitre faut que je pète.
sont là en fait. On va. On va voir s'il m'attrape là. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Je crois qu'il va falloir que je recommence parce que. Il y a le flic qui est entré. Ah. Ah, c'est par l'étoile, ok. Alors, acquisition d'expérience. Voler des objets et retourner à la maison avec ton butin t'apporte des points d'expérience. Tu obtiens 10 XP plus d'expérience quand tu voles quelque chose pour la première fois. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire, regarde ton ordinateur pour trouver des indices et des boulots supplémentaires. Course-poursuite avec la police. Tu peux fuir la police en quittant les environs ou te cacher dans un placard, une benne à ordures sous le lit et attendre que la police s'en aille. Bon, là on va attendre qu'elle s'en aille. Allez, on s'en va. Bon, normal. Bonjour. Quand c'est vert, c'est que je suis suspect. Enfin, ils se doutent d'un truc, mais voilà. Par contre, quand ça devient rouge, tu dois apprendre comment t'y prendre avec les serrures standards. Apprends le crostage niveau 2. Ah voilà, compétence. C'est quoi ça? Ah voilà, apprendre. Voilà. Hop. T'as pas mal de choses. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. En fait, là, voilà. Tout ce qui est en bleu, c'est tout. Voilà, c'est quand ils sont dehors. Là, c'est quand ils sont chez eux. En gros, en rouge, ça dit ce qu'ils font. En bleu, c'est dire qu'ils sont dehors. Donc, en gros, avant de cambrioler, il faut vraiment savoir ce qu'ils font. C'est pas mal, ça. J'aime bien. C'est vraiment bien fait, ce petit jeu. C'est sympa. Donc, on va faire une dernière mission. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Dit que les toilettes ne sont pas cassées. Casse des toilettes au 113. Achète des astuces pour obtenir de l'aide. 5 minutes later. Il est 2h du mat, donc de 9h à 13h, faut je mette le réveil à 8h à peu près. Ouais, 8h. Allez, 8h jusqu'à 4, voilà. Donc je me prépare. Allez, c'est parti. Ok, donc là la maison elle est là-bas. Et là, il est 8h10. Ok, donc il faut vraiment que j'analyse. Après, si j'ai un look de merde. Bonjour. Pourquoi j'ai pas accroché niveau 2, moi? Merde. Caca qui arrive. Putain, c'est stressant quand même, hein. Allez, on y va. Allez. Merde, quelqu'un. Oh, merde. Bonjour. Putain de tarasse. Oh, merde. L'enculé. Oh, je vais prendre le pied de biche, moi. Tu vois, je vais tout péter, moi, je crois que... Donc là, ouais, ils sont encore dans... Putain, ils... Faut que je me dépêche, il va me rester plus qu'une heure. Putain, chier. Allez, cassez-vous là, flic de merde. Essayez de passer. Bon.
Oh merde, j'arrive. Comment c'est chaud. Ah, j'adore ce jeu, c'est marrant. C'est par là. Voilà. Fermez doucement. Voilà. Ils sont là, ok. Ma voiture est où, à gauche? Il faut que j'attende que ça passe. On va s'en aller, hein. J'ai mal géré là. Franchement, j'ai mal géré. Oh, je vais me faire avoir. Putain! Donc voilà, c'est la dernière vidéo. J'espère que ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Prenez soin de vous et je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!